Grâce à un investissement de plus de 304 millions de francs guinéens, le centre médical communal de Ratoma offre un visage reluisant ce vendredi. À la remise de l'infrastructure rénovée au ministre de la Santé, le projet AC3 entend accroître la fréquentation du centre. On a commencé par changer les tôles, on a changé les plafonds, on a repeint, on a climatisé les salles d'accouchement, on a changé toutes les fenêtres, on a mis des rideaux pour la confidentialité des patients. Le personnel soignant est aussi l'un des heureux bénéficiaires de ce cadre rendu plus propre et attrayant. Situé dans une commune qui affiche une très grande démographie, ce centre médical communal figure au centre des priorités du ministre de la Santé. Le centre de santé est un dispositif important de l'offre de soins dans cette commune, dans la capitale de façon générale. Ratoma, il y a environ 700 000 habitants et c'est le seul centre de premier recours. Donc il est fondamental vraiment qu'on s'assure qu'il y a de la qualité dans ce qu'on fait ici. La réalisation rapide des travaux a été rendue possible grâce à l'implication du projet AC3 et le financement de l'USAID.